أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وحشرنا في زمرة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. Aujourd'hui, le dars a pour sujet les 10 derniers jours de Ramadan et la nuit du destin. Mes chers frères et sœurs, nous sommes entrés dans la dernière période du mois de Ramadan. Et ainsi, dans quelques jours, ce mois béni touchera à sa fin. Ces derniers jours sont donc pour nous le moment où jamais pour nous repentir, pour saisir les dernières opportunités, en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos actes et nous pardonne. Chers croyants et croyantes, vous savez tous que le jeûne est un pilier de l'islam, mais il est particulier, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui le rend spécial. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait une bonne action, Allah lui inscrira 10 bonnes actions, et même jusqu'à 700 bonnes actions. Et Allah dit dans le hadith Qudsi, il a dit: toutes les œuvres du fils d'Adam lui appartiennent, sauf le jeûne. Il est à moi, et c'est moi qui en fixerai la récompense. Rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, d'après Abu Huraira. Les louanges sont à Allah, alhamdoulilah, qui a donné à ses serviteurs l'abondance des récompenses et qui a fait du jeûne une source illimitée de récompenses pour le musulman. Et donc, c'est un moyen d'ouvrir les portes du paradis, al-Jannah. Mais tous les musulmans ne font pas les mêmes efforts durant ce mois de Ramadan, car ils ne connaissent pas tous la valeur réelle du mois de Ramadan avec la multiplication des récompenses des bonnes actions. Ils oublient que toute l'année, ils font des mauvaises actions et que le mois de Ramadan est un moyen de se faire pardonner par Allah de tous les péchés. Il se doit
donc de purifier son âme par des bonnes actions et en évitant de s'approcher de tout ce qui est détesté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui délaisse la beauté de la vie pour Allah, Allah lui donnera la lumière dans son cœur et la vie éternelle dans le paradis. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans le Coran, il a dit, Tawbah, le repentir, le verset 21 et 22. Leur Seigneur leur annonce de sa part miséricorde et agrément et des jardins où il y aura pour eux un délice permanent. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Ils demeureront éternellement. Certes, il y a auprès d'Allah une énorme récompense. Inna Allah 'indahu ajrun 'azim. Et Allah dit aussi, aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Surat al-Sajda, la prosternation, verset numéro 17. Donc aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ. En récompense de ce qu'ils œuvraient, جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ceci est donc la marque de la clémence et la générosité de notre Créateur. Mes chers croyants, comme vous le savez, nous sommes dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, quand arrivaient les 10 derniers jours de Ramadan, le messager d'Allah veillait toutes les nuits à prier. Et elle nous informe encore, c'est-à-dire Aïcha radiallahu anha, elle nous informe encore en disant, le messager d'Allah montrait pendant le mois de Ramadan encore plus d'efforts religieux que dans les autres mois. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam montrait pendant ce mois de Ramadan encore plus d'efforts religieux que dans les autres mois. Et pendant les 10 derniers jours de Ramadan, il montrait plus que dans les autres nuits, rapportées par Muslim. Le musulman se doit de multiplier les bonnes actions pendant ces derniers jours, sur la prière, ou bien sur la lecture du Coran, ou bien sur le dhikr, le rappel de Dieu, faire des sadaqat, etc. Tout ce qui est une bonne action, qu'il en profite pour les faire ces derniers jours. Le musulman se doit de suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans les efforts à réaliser pour Allah dans les derniers jours du mois de Ramadan. Et il faut aussi faire participer la famille pour qu'ils obtiennent tous la récompense et les bienfaits de cette période. Allah attend toujours la demande du pardon des pécheurs. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, il a dit, Allah tend sa main la nuit pour recevoir le repentir du pécheur du jour. C'est-à-dire Allah tend sa main la nuit pour recevoir et accepter en même temps. Pour recevoir et accepter le repentir du pécheur du jour. Et il tend sa main le jour pour recevoir et accepter le repentir du pécheur de la nuit. Et ce, jusqu'à ce que le soleil se lève de l'Occident. Rapporté par Muslim. Malheureusement, beaucoup de musulmans ont abandonné ce principe et ils laissent leurs enfants dans la distraction. Mais il n'est pas trop tard. Il faut toujours garder confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il tend toujours sa main, il attend les repentants. Enfin, mes chers croyants, vous devez savoir que ces 10 derniers jours contiennent une nuit durant laquelle il est vivement recommandé aux fidèles
de consacrer leur temps à prier ou bien à réciter le Saint-Coran et à implorer la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, le prophète sallam a dit, celui qui a veillé à prier la nuit du destin, par foi et par unique désir de la récompense d'Allah, Allah lui pardonnera tous ses péchés passés. Rapporté par le Bukhari, un musulman, d'après Abu Huraira. En effet, cette nuit est bénie, puisqu'il y a, durant cette nuit, il y a des anges partout qui annonceront la paix à tous les croyants. C'est aussi pendant cette nuit que le Créateur décidera de tout ce qui se passera jusqu'à la prochaine nuit du destin, c'est-à-dire l'année qui suit. Cette nuit est une faveur, un bienfait accordé par Allah subhanahu wa ta'ala à la nation musulmane, car en passant cette nuit en prière et à réciter le Coran et à implorer la clémence d'Allah, faire des biens, le fidèle obtient une meilleure récompense que celle de l'adoration de son Seigneur pendant mille mois. Chers croyants, profitez donc de la fin de ce mois sacré de Ramadan. Ces dix derniers jours ne doivent pas être négligés. Personne ne sait s'il sera encore en vie pour le prochain Ramadan. Et c'est pour cela qu'il nous incombe de ne pas rater cette occasion à multiplier nos actes d'adoration, afin qu'Allah nous accorde sa bénédiction, qu'il nous préserve des feux de l'enfer et qu'il nous fasse entrer au paradis. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minna siyamana wa salatana wa qiyamana wa an yahshurana fi zumrati sayyidina Muhammadin عليه الصلاة والسلام. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم، وارض عنا في هذه الأيام وهذه الليالي الباقية. اللهم ربي وفقنا لهذه الليلة ليلة القدر، حتى وقبل منا أعمالنا يا رب العالمين، واهدنا لما تحبه وترضاه، واهدي أولادنا وبناتنا ونساءنا. اللهم يا ربي اهديهم إلى الطريق المستقيم. اللهم يا ربي واحشرنا معهم جميعا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما.
يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور